vidéo donc sur ma collection, donc cette fois-ci comme vous pouvez le voir, spécial NES. On va pas traîner parce que la dernière fois, je sais pas dans quel ordre je les aurais mis encore une fois, mais si je les ai mis dans le bon ordre, comme vous auriez pu le voir, donc ça a coupé, faute de mémoire, donc on va commencer tout de suite. Alors j'espère qu'il fait assez clair, donc Mario Bros. C'est Duck Hunt, je crois que c'est un jeu que tout le monde a, donc je commence d'abord par le jeu en loose, donc jeu en loose, jeu sans boîte, je pense que là vous voyez à peu près. Un bon jeu quoi, un jeu Mario, rien à ajouter. Alors comme vous pouvez le voir ici, on ne voit rien du tout, c'est pas grave. Donc il y a deux fois le même, donc je vais pas vous montrer. Mario Bros 1 seul. Ben, du Mario, vous avez pu me voir jouer Colossus Level. C'est facile de les enlever, mais c'est moins facile de les remettre. Mario Bros 2. C'est franchement mon Mario favori de la NES, avec le 3 en fait, j'aime beaucoup beaucoup. Hop, je remets mon casque au passage et le pull avec. Vraiment un jeu sympa, c'est un de mes favoris. Mario Bros 3, ben, jeu connu, hein, c'est un Mario, rien à ajouter. Donc ouais, je l'ai deux fois, je sais pas trop comment j'ai fait, mais je l'ai deux fois. Wizard and Warrior, donc le tout premier. J'ai pas la chance de l'avoir en boîte malheureusement. Mais ce sont des jeux très durs par contre. J'ai vraiment beaucoup de mal avec, avec ces jeux là. Iron Sword, donc c'est Wizard and Warrior 2. Je sais pas si on le voit très bien malheureusement. Désolé pour la qualité de la vidéo, mais je peux pas faire mieux. Donc ben pareil quoi. C'est pas le genre de jeu que j'aime plus que ça. Ça faisait partie d'un lot. DuckTales 2, donc DuckTales 2, je sais pas si je l'ai déjà fait en let's play, mais il fait partie de mes jeux de plateforme favoris de la NES. Pur jeu, très facile. Enfin, il y a trois niveaux de difficulté, mais bon, ça reste globalement facile à utiliser. C'est pas facile de ranger à une main. Ah bah, en plus je les avais pas remis dans le bon ordre. Wizard and Warrior 3, c'est... normalement c'est Stones of quelque chose je crois. La même chose, un jeu difficile, en tout cas j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Gauntlet 2. Alors Gauntlet 2, il me semble qu'il y avait des voix synthétisées dedans, il me semble. Il faudrait que je le revérifie, mais il me semble qu'il y avait des voix dedans. C'est vu du dessus, c'est spécial. Alors très connu, hein. Bart Simpson contre les mutants de l'espace. Ben, je pense que si vous avez tous vu la vidéo de Joueur du Grenier, ben, vous connaissez à peu près mon point de vue, hein, c'est à peu près la même chose. Captain Planet et les Planeters, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Jeu bidon, franchement, je l'ai essayé, il est bidon, il est vraiment pas terrible quoi. Alors, Tortue Ninja 2, donc le jeu d'arcade, donc c'est totalement différent du premier. Il est pas mal, il est pas évident mais il est pas mal. Hop. Alors Kung Fu, comme vous pouvez le voir que j'ai en loose aussi. C'est une espèce de jeu de combat vu de côté, j'ai eu avec le manuel en loose. Hein. Bon, je vous montre vite fait quelques pages. Comme ça vous voyez qu'à l'époque on avait quand même des beaux petits livres. Avec les ennemis. Des lanceurs de couteaux, bon vous sauriez certainement pas lire mais vous voyez vaguement ce que c'est en tout cas. Enfin bref, personnellement je suis pas très fan non plus, je le trouve assez difficile. Alors, Dragon Ball, très lent, c'est un des, je crois que c'est le premier jeu Dragon Ball que j'ai jamais eu. Je vais me mettre à la lumière parce que sinon on s'en sort pas. Pareil quoi, c'est un des premiers jeux, bon, je l'aime bien mais c'est le côté nostalgique qui parle. C'est le côté nostalgique qui parle et pas, pas la bonne critique. Double Dragon 3, donc c'est celui-là que je voulais dire, il me semble que lui c'est ouais, The Sacred Stone, donc on voit là-haut mais vous verrez rien du tout. Franchement il est mais hyper dur, c'est un truc de dingue. Franchement, passer le premier écran c'est une gageure quoi, il est hyper violent. Alors, on va changer de main. Mac Rider. Alors, Mac Rider, c'est un jeu de course de moto, un peu à la Mad Max, il me semble. C'est... bof. Faut que j'apprenne à mieux cadrer, c'est bof bof.
Bon, je l'ai pris pour le LOL, c'est parce qu'il était dans. C'est Smash Bros Melee ou Smash Bros Brawl? Je ne sais plus. Radrasser. Alors, Radrasser, il y avait une particularité. Je crois que c'est le seul jeu de course de Squaresoft. De Square tout court d'ailleurs. On le voit ici quelque part. Ouais, on le voit ici, mais vous verrez que dalle. Un truc marrant, c'est qu'en appuyant sur Select. Putain, je cadre comme un pied. En appuyant sur Select, on avait. Une espèce de mode 3D qui se lançait, c'était dur. Je l'ai essayé vite fait la semaine passée, il est pas évident. Kickle Cubicle, donc lui c'est le premier jeu que j'ai fait en let's play. J'adore ce jeu. C'est très facile, hein, en tout cas je le connais par cœur, mais je l'adore quoi. Un puzzle game vraiment vraiment énorme. Mario et Yoshi, donc un. Comment on appelle ça encore? Bref, un jeu, une sorte de jeu Tetris, quoi. Vous devez empiler des Goombas, des Méduses, des Piranhas, enfin bref, tous les ennemis de Mario, et dès que vous en empilez deux identiques, ils se suppriment les uns les autres. On peut aussi utiliser des œufs de Yoshi, enfin bref, si j'arrive à ranger cette cartouche qui me fait de la résistance. Yoshi Cookie! Hop, pendant que je perds mon casque. Yoshi Cookie, donc ben, la même chose, un puzzle game. Un peu plus un peu plus différent de Mario Yoshi, j'aime beaucoup moins, enfin j'ai moins accroché. Hop. Ça fait vraiment vidéo amateur, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Moi c'est juste, je fais juste ça pour vous montrer. Et ce casque en bois, en mousse là, qui ne fait que me tomber des oreilles. Megaman, le tout premier Megaman, donc sur NES. Vous pouvez le voir, la beauté. On voit vraiment pas très bien, c'est dommage. D'ici, on voit peut-être un peu mieux. La beauté du dessin, hein, on dirait un humain qui tire un rayon laser avec des robots derrière et un professeur en haut à gauche. Et, enfin bref. Moi, je le trouve difficile, mais ceux qui l'ont eu à l'époque, sont habitués. Donc Mega Man 2, la même chose, un magnifique robot bien dégueulasse. La cartouche d'ailleurs est défoncée. Comme un grand dame. Mega Man 3, donc là ça y est, on a enfin le Mega Man qui ressemble au petit bonhomme, au petit Mega Man qu'on avait dans le jeu. Ce sont tous des bons jeux, hein, honnêtement, vraiment très très bons. Allez, j'en perds mon truc. Sword Master, je me souviens plus ce que c'est par contre ça. Activision, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il est écrit en grand. Mais sinon, je ne sais plus ce que c'est. Hop, je ramasse en même temps ce que je fais tomber, parce que je fais tout tomber. Mais là, du coup, ça devient compliqué. Pour tout remettre, c'est le problème. J'aurais une main de plus, ça m'arrangerait. Et Bubble Bobble, très bon jeu, franchement, un pur jeu. Hop, de loin, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Bon jeu, vraiment, bon, puzzle game. Enfin, c'est pas un puzzle game, j'arrive pas à mettre le nom de nom dessus, c'est pas grave. Il y en reste quelques-uns. Si j'arrive à les sortir, hop. Alors, le premier. Kid Icarus, jeu de plateforme assez connu, hein, je pense. Enfin, je pense, je suis quasi sûr. D'ailleurs, ils ont sorti de nouveau il n'y a pas si longtemps, Uprising. J'ai pas essayé d'ailleurs. Très très bon jeu, Kid Icarus, mais on a vite tendance à le trouver difficile au début. Hein, faut vraiment le temps de s'habituer. Ah, j'ai laissé le dernier, j'ai quand même laissé du lourd en dernier. Hein. Ghost and Goblin. Je sais pas si je dois vous en parler, hein. Jeu de plateforme, je le trouve supra violent, supra dur, vraiment difficile, faut être persévérant pour le terminer quoi. Quand on connaît le jeu par cœur, les mecs qui le connaissent par cœur le terminent vraiment facilement, mais moi j'ai un mal de chien. Castlevania, hop, on essaie de le sortir comme il faut, histoire que vous voyez bien. Castlevania, donc ben, sur NES, le tout premier, très connu, hein, qui a été let's playé des milliards de fois, je crois, par tout le monde. Punch-Out, le premier jeu de combat que j'ai jamais possédé, je pense. Très fun, vraiment fun, fun, fun. Très connu, très coté. Enfin bref. Je vous en passe les meilleurs. Dina Blaster, et si vous avez l'œil, vous reconnaîtrez donc ben, Bomberman, tout simplement. Je crois que c'est son premier nom. Là, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance, mais il me semble que c'est son premier nom. En tout cas, c'est vraiment Bomberman. Hein. C'est du Bomberman le jeu, c'est édité par Hudson
qui est le créateur de Bomberman, enfin la société qui éditait Bomberman. J'ai peut-être des grosses âneries au niveau des sociétés, mais bon, c'est pas grave. Batman, le jeu vidéo. Le Batman de la NES, très bon jeu avec des pures musiques, une bonne maniabilité, une bonne difficulté aussi quand même quand on connaît pas le bousin, mais vraiment très très sympa. Hop, alors là attention, ça va faire un gros kaboum. Ou pas. Mais par contre, je suis coincé. Hop. Il y a quelques bouquins qui traînent aussi, parce que j'ai des jeux en loose malheureusement. Puznik, donc un jeu que je n'ai pas récupéré, mais que j'ai toujours. Ma mère avait vendu malheureusement. Et je posais toujours le livret, donc un jeu, un puzzle game vraiment énorme, j'adore. J'ai hâte de le retrouver. Enfin bref, je vous passe un petit peu. Adventures of Lolo, donc très connu Lolo, je me mets hors de la lumière, sinon vous verrez que dalle. Ah bon là c'est en allemand, mais on voit que dalle, on voit que dalle. On voit que dalle, bon bref, c'est du Lolo, c'est du bon jeu. Et c'est génial. Kickle Cubicle, donc ben, je vous l'ai montré, hein, le livret qui me reste. Hop, ça colle en plus. Le livret qui me restait, Euphoria. Donc j'en ai fait un let's play si vous me suivez depuis le début. Pur jeu de plateforme. Personnellement, je vais vous dire, regardez mon let's play si vous voulez m'entendre dire des éloges dessus parce que j'adore ce jeu. Et Kirby, c'est pareil. Bon, le livre est défoncé, donc je vais le ranger parce qu'il a pris une sale claque. Hop. Allez, hop. Donc le reste, plein de jeux. Mais c'est pour la prochaine fois. Eh non, c'est pas fini. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Et là, en toute finesse, je me pose 2 minutes. Hop, on y retourne. Alors là, je sais pas si je vais tout déballer. Je crois que je vais vous le montrer comme ça. Urban Champion, donc c'est un jeu de combat. Enfin, une espèce de jeu de combat dans la rue. On se tape dessus. C'est plutôt fun. C'est très court aussi, hein, le jeu est pas très long. On peut jouer à 2 joueurs. DuckTales, donc attendez, je vais mettre un peu plus à la lumière là parce que sinon vous allez jamais rien voir. Oh, il y a tout qui me gêne, même ma lumière de mon casque. Donc ben, le premier opus de DuckTales, hein, je l'ai en boîte même si elle est bien défoncée. D'ailleurs on entend encore des trucs qui craquent. Pur jeu aussi, j'aime beaucoup, même si le 2 est un peu mieux, je préfère le 2. Alors attention ici parce que là à une main ça va devenir épique. J'ai récupéré il n'y a pas si longtemps Kickle Cubicle, mais en boîte cette fois. Elle est magnifiquement conservée. Merci à la personne qui l'a mis à ce cache. Parce que la boîte est nickel. Vraiment, j'étais super heureux de le retrouver. C'est un jeu que j'adore. Alors, le souffle de la menthe noire. Voilà, je le dis en français parce qu'en anglais j'ai un accent pourri. Le jeu est pas très évident. J'ai essayé, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je l'avais acheté parce qu'il coûtait que dalle, mais j'aime pas du tout. Dr. Mario, ben, très connu, puzzle game, avec les petites gélules, avec la musique bien épique. Très très bon jeu, personnellement j'aime beaucoup. Alors ce jeu je l'ai pris pour le LOLs. L'attaque des tomates tueuses. C'est un jeu de plateforme, on se fait adresser par des tomates. Hein, ça s'invente pas, c'est épique. Alors on voit que dalle, je vois sur l'écran, mais c'est pas grave. Le problème c'est que j'ai ou des reflets ou de l'ombre. Les Rangers du Risque 2, énorme jeu, je crois que je l'ai fait en let's play, je suis plus sûr si je l'ai fait celui-là ou si c'était l'autre. Vraiment un pur jeu, très très court, très très simple. Là aussi merci à la personne qui a conservé la boîte parce que franchement la boîte est nickel. Pur jeu, je l'adore. Je vous le conseille aussi. Le tout premier Mario, que j'ai réussi à avoir en boîte il y a un moment de ça. J'ai pas beaucoup de perles, on va dire, sur NES, mais enfin de choses rares, mais ce sont des jeux que j'apprécie pour pas mal d'entre eux. J'étais content de le retrouver parce que c'est vraiment là le côté nostalgique qui parlait de revoir mes anciens jeux en boîte. Shadow Warrior, donc le premier Ninja Gaiden, on le voit ici correctement. Je l'ai retrouvé aussi pour une poignée d'euros, un mec qui l'avait hyper bien conservé. Super content de l'avoir retrouvé. Alors, les Rangers du Risque, mais le premier, c'est celui-là qui m'a le plus marqué, celui que j'ai passé pas mal d'heures dessus aussi étant plus jeune. Aussi facile que le premier, honnêtement. Je change de main. Top Gun, un jeu d'avion, donc de Second Mission. Je sais pas s'il est bien, j'ai pas beaucoup joué. Mais bon, encore une fois, ce sont des jeux que j'avais pour une poignée d'euros, donc ça se refuse pas. Captain Skyhawk. Bah lui là même chose, un petit jeu d'aviation, donc un jeu de shoot,
comme on peut le voir ici. On voit pas très très bien, désolé, mais bon, c'est un jeu de shoot, faites pas confiance. Hop. Alors ici, la boîte est nickel, mais j'aime pas du tout le jeu. Rescue the Embassy Mission. C'est de ces jeux tout bizarres de la NES, de l'époque, quoi. Perso, j'ai pas grand chose à en dire. Alors lui, je suis content de l'avoir, il est chouette. Enfin, il est chouette. J'étais content, je l'ai trouvé au pif. NES Open Tournament Golf, donc Mario Golf, quoi, pour faire court. Je sais pas si le jeu est bon, parce que je suis une quiche au jeu de golf, donc pour moi, tous les jeux de golf sont mauvais. Parce que je suis mauvais, en fait, tout simplement. Attention, là, on arrive dans le lourd. Les Tortues Ninja. Encore une fois, une boîte nickel chrome. Je dis toujours merci à ceux qui les conservent aussi bien. Ça fait plaisir de les racheter. Bah, les Tortues Ninja, quoi, rien à dire. Très difficile. Surtout le niveau de la flotte. Alors, attention, ici, on arrive dans des trucs où je suis très fier. Legends of Zelda, donc le premier Zelda de la NES. Je sais pas si j'ai le livret dedans, d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. Alors, on va vérifier en même temps. Pour ceux qui ne savent pas, donc la cartouche, ça tremble un peu dedans, tiens. La cartouche est dorée. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, si on voit très bien. Oh, on me voit dedans. Coucou. Cartouche dorée, bref. Et je ne pense pas. Non, je n'avais pas eu la chance d'avoir le livre avec, malheureusement. Enfin, le livret. Et du coup, me l'a bien embêté pour ranger ça à une main. Hop. Parce qu'on va essayer de ne pas abîmer ça non plus, hein, ce serait dommage. Allez, rentre dedans s'il te plaît. Bon, 2 secondes. Là, hop. Désolé, mais bon, je préfère tout ranger. Et sa suite, Zelda 2, donc The Adventure of Link, malheureusement avec une vieille étiquette bien dégueulasse, 390 francs. Mais bon. On fait comme on peut. Lui aussi, j'étais content. Le mec les vendait 8 euros pièce, je crois, à l'époque. Bah, lui, pareil, hein, une cartouche argentée cette fois, je crois. Ah non, elle a l'air dorée aussi. Bref, hein, je vais pas la ressortir, c'est la même chose, sauf qu'il écrit Link en gros. Ces deux-là, j'étais super content de les récupérer, honnêtement. Des jeux pareils. Hein. Low Geman, un jeu de plateforme. Action plateforme, plutôt sympa, donc comme le dit le truc. De Low Gravity Man, donc le mec a une gravité fort basse, du coup on peut faire des sauts de psychopathe, c'est franchement fun. Alors Corvette ZR1 Challenge, un jeu de course comme il y en a eu des millions à l'époque, je pense. Je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus parce que je n'aime pas du tout. Turbo Racing, pareil. Boîte bien conservée, tout ça, mais bon, c'est pas mon style de jeu, donc j'ai pas grand chose à en dire. Power Blade. Hop, avec une boîte bien épique. Bah, le jeu est plutôt sympa, il est assez bourrin aussi, quoi. C'est un jeu action plateforme comme on a eu beaucoup à l'époque. Un jeu sympa, quoi, plutôt sympa finalement. Alors celui-là, je suis une bouse infâme. Defender of the Crown, donc le défenseur de la couronne, avec une belle boîte là, avec le chevalier qui protège une princesse ou je ne sais quoi. C'est pas du tout mon genre de jeu, donc c'est assez difficile de se prendre au jeu, je trouve, il n'est pas évident. Blue Shadow, j'adore la jaquette, je la trouve vraiment classe. Un jeu de ninja, quoi, comme il y en a eu pas mal aussi à l'époque, je pense. Édité par Taito. Un jeu plutôt sympa, pas si évident que ça, mais plutôt sympa. Double Dragon, le premier. Bien un jeu de connu, quoi, jeu de baston bien connu, on se met sur la gueule à coups de pompe et à coups de poing. Et à coups de baril aussi de temps en temps. Hop, sa suite, Double Dragon 2, un peu moins bien conservé au niveau de la boîte. Je crois que c'est un des favoris de tout le monde. Avec des coups spéciaux, un jeu assez long, des fins, une vraie fin on va dire si vous faites la difficulté maximale. Bref, que du lourd. Kirby's Adventure, donc lui. Je suis content, je l'avais récupéré en boîte. Hyper bien conservé, en plus j'étais super content. Un pur jeu. Vraiment j'adore ce jeu, je le connais par cœur. Et en dernier, Off-Road.
un jeu de bagnole. On peut jouer jusqu'à 4, ce qui était pas mal à l'époque quand même. On voit pas très bien, mais c'est vu du dessus. Enfin, c'est très bizarre à contrôler. Et pour terminer, parce que oui, c'est pas fini. Une petite boîte, alors on voit pas très bien malheureusement. Une boîte Nintendo, donc dans laquelle, hop, on pouvait ranger d'autres jeux. Alors, attention. Dedans, j'avais rangé. Donc, ce sont tous des jeux en loose et sans cartouche protectrice. Adventure of Lolo, le premier, malheureusement, je l'ai retrouvé en état pitoyable. Tout est arraché. Enfin, j'étais dégoûté de le retrouver dans cet état-là, mais bon. Vaut mieux ça que rien. Lolo 2, donc sa suite, que je connais pas du tout. Moi, je connaissais que le premier. Toujours aussi bonne, puisqu'il me semble qu'il y a un Lolo 3 qui est sorti. Donkey Kong classique! Très connu, je l'ai pris ben, parce que justement c'est un classique comme il dit si bien. Alors celui-là, je suis content de l'avoir. Metroid, alors bien évidemment, elle est défoncée. Je suis dégoûté pour ça, mais je m'en fous, j'ai le jeu. Moi, je fais pas ça pour avoir pour me pavaner partout, mais je possède le jeu, je suis très content. Le Metroid sur NES, le premier. Si vous avez le jeu en boîte et que vous voulez me l'envoyer, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de problème, je vais pas dire non. Non, blague à part, donc vraiment un bon jeu. Les Schtroumpfs, je le retourne comme s'il y avait quelque chose derrière. Jeu de plateforme, donc plutôt sympa. Time Lord, alors j'aime pas du tout le jeu, il me semble qu'il est assez difficile. J'ai pas grand chose à en dire parce que j'ai vraiment eu du mal avec ce jeu. Et là, les deux derniers, attention, c'est de l'épique. Les Chevaliers du Zodiaque sur NES. Pur jeu, la légende d'or, on voit pas très bien. Je dis pur jeu alors c'est débile quoi, c'est pure licence mais mauvais jeu. Comme vous avez pu le voir avec le joueur du grenier par exemple, pas terrible comme jeu. Et en dernier, Metal Gear, donc le premier Metal Gear sur NES. Je dis mais le premier sur NES, d'ailleurs le seul, il me semble, quoi qu'il y en ait, je crois qu'il y a eu une suite sur NES. Parce que c'est pas le premier Metal Gear hein, qui est sorti, le premier Metal Gear c'était sur MSX normalement. Mais ah tiens, il y a la pub du magasin derrière. Bref. Bon, moi je trouve ça un bon jeu. Hein. Il n'est pas évident à prendre en main, mais c'est plutôt un bon jeu. Bref. Donc voilà, donc c'est tout pour ma petite collection NES. Donc collection, moi, je suis assez content. Pas mal de souvenirs dans tout ça, hein, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires d'ailleurs. Hein, pour la qualité de la vidéo, malheureusement, si ça vous plaît pas, à part vous dire passez votre chemin, je peux pas vous dire grand chose, j'ai pas de matériel meilleur que ça malheureusement. Mais disons que pour filmer une bête collection de jeux vidéo, je pense pas avoir besoin de plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, je sais pas trop sur quelle console elle portera, on verra bien. Vu que ce sera tout ça est consacré au spécial 250, ce sera un peu disséminé comme ça à droite à gauche. Voilà. Ben, je vous dis bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!